réformée, établie par la loi? Allez-vous maintenir et préserver pleinement l'Église d'Angleterre, sa doctrine, son culte, sa discipline et son gouvernement tel qu'établi par la loi en Angleterre? Reconnaissez-vous aux évêques, aux clergés d'Angleterre et aux églises dont ils ont la charge, les droits et privilèges qui leur appartiennent légalement aujourd'hui et à l'avenir? Tout cela, je le promets, je le ferai. Et le garderai. Que Dieu m'en soit témoin. Votre Majesté, acceptez-vous de faire ce serment, d'y adhérer et de le prononcer solennellement? Moi, Charles, solennellement et en présence et sincèrement, et en présence de Dieu, profère, témoigne et déclare que je suis sincèrement protestant. Et je m'engage selon les règles de succession du trône de soutenir et de maintenir au mieux ces actes selon les pouvoirs que me donne la loi. Voilà, ainsi prennent fin les serments, car il en a fait plusieurs, sur la Bible. Et nous allons entendre maintenant un hymne qui va être chanté par la chorale.